Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née en 1933. J'ai été arrêtée à la ligne de démarcation le 26 juillet 1942. J'ai été interrogée et internée, d'abord à la prison de la Rochefoucauld, ensuite à la prison d'Angoulême, puis au camp de Poitiers et au camp de Drancy. Après Drancy, on m'a envoyé au camp de Pithiviers, puis au camp de Beaune-Arlande, et enfin je suis revenue à Drancy où j'ai passé un an. Et au bout d'un an, j'ai été déportée pour Bergen-Belsen. Alors, étant fille de prisonnier de guerre, j'étais protégée par la Convention de Genève, ce qui fait qu'au lieu d'être déportée dans un camp d'extermination, j'ai été déportée dans un camp de concentration. Voilà pourquoi je suis encore en vie.